Hey, salut à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Stardew Valley. Donc c'est parti. Donc punaise, toujours pas de pluie les amis, j'en ai marre. Toujours pas de pluie. Bon, sans blague, donc on va faire cuire le cuivre qu'on a. Et on n'a pas toute la santé, l'énergie qui est restaurée. Donc là la mine, ça me paraît chaud cacao. Donc je vais pas vous mentir que ça sera pas pour là. Peut-être le jour suivant on ira, peut-être sûrement. Mais là, pour aujourd'hui, c'est râpé. Donc on va mettre à vendre tout ça. Ah, on a des fraises et des haricots, donc c'est plutôt cool. Hop, donnez-moi tout ça. On va essayer de se faire de la clé, vous savez quoi, pour pouvoir faire le truc là. Le silo. Hop. On va se casser un peu de cailloux également. On a 3. Allez, on va se casser du caillou les amis. On va mettre de l'eau à notre chien, tenez. J'oublie régulièrement, je vais mettre à boire, donc je sais pas trop si c'est grave. Imaginez si, je sais pas s'il peut vraiment, il peut mourir notre chien. Je m'en voudrais. Du caillou, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Alors, du caillou, toujours plus de caillou. Toujours pas de minerai. Oui, ma pioche. Tourne-toi. Et ici, il y a pas mal de cailloux. Allez, donnez-moi du charbon. Yes, un charbon. Il nous en manque encore un. Allez, s'il vous plaît, pour qu'on ait nos 5 cuivres. Ouais, je sais, je clique mal. No panique, le jeu. Non, mais... Allez, donne-moi un charbon, bon sang. Oh, la tristesse. La tristesse habite mon âme tout de suite. Hop. Allez, un dernier charbon, s'il vous plaît. Bon, je crois que j'abandonne l'idée d'arroser mes champs aujourd'hui. Malheureusement, parce que vu que j'ai pas assez d'énergie et que là, je voudrais vraiment avoir... Ah, voilà, on a eu le charbon. Donc, on va arroser un peu les champs, mais on n'arrosera pas tout, c'est clair et net. Clair, net et précis que ce sera impossible. Du coup... Hop. Allez, j'arrose vite fait ce champ, je vous reprends après les amis. Alors les amis, j'ai arrosé le champ, donc c'est bon. On a 4 et notre 5e lingot est mis à chauffer. Donc on est plutôt bien de ce côté-là. Tout ça, on range. Donc il va nous falloir de la pierre, du cuivre et la clé. C'est la clé qui nous manque. Donc on a obtenu 2 géodes en plus, donc il nous faut de la clé. Donc on va labourer des zones, écoutez, hein. On va aller là-bas, on va faire au pifomètre. Je sais plus l'énergie que ça nous utilise de taper. Hop. Hop, oh, punaise. Il est 10h du matin, les gens. Ça va poser problème, cette histoire. On va aller dodo. On n'a toujours pas obtenu de clé par contre. On va être embêté pour faire la quête quoi. Ah punaise. Je sais pas où on pourra en avoir en fait ailleurs. Oh là là. Comment avoir de la clé sur ce jeu? La question du siècle. Est-ce que vous croyez qu'on peut dormir alors qu'il fait plein jour dehors? Et 10h, 11h du matin. Donc un peu compliqué quoi. Ouais, on peut dormir à n'importe quelle heure. Attention, 1400 en argent. Mais on a trop de fric, les amis. On n'a juste pas les matériaux qu'il nous faut pour faire ce qu'on veut faire. Dites-moi qu'il pleut dehors. Et là, je suis heureuse. Oh, on n'a toujours pas restauré toute la santé, l'énergie. Il pleut toujours pas, mais ils sont sérieux. Ouais. On va être très embêté pour avancer. Je vais pas vous mentir. Parce que aller dans la mine en n'ayant pas toute la barre d'énergie, j'en vois pas l'intérêt. Je fais clairement tout pour pouvoir avoir de la clé là. Hein. C'est pas esthétique, c'est rien du tout. Écoutez, je vous reprends dès que j'ai un peu de clé. Alors les amis, j'ai réussi à avoir qu'une seule clé en labourant tout ça. Donc ça me paraît très compliqué. J'ai déjà plus d'énergie. Je sais pas du tout quelle est la meilleure façon de faire pour avoir la clé. Mais là, clairement, voilà, il est déjà 8h30, il faut que je me couche. Donc, c'est pas terrible, on va pas se mentir.
J'ai vraiment l'impression que le jeu est vraiment fait pour m'enquiquiner la vie, comme pas possible. Bon bah écoutez, on va continuer. Oh d'accord, en moitié de barre d'énergie, c'est pas possible. Oh punaise, non, nos plantations sont toutes mortes, sérieux? On peut pas les rattraper? Oh, je suis dégoûtée là. Oh là là, non, elles sont vraiment mortes, vous croyez? J'ai fait le Hello Fail monumental. Je sais pas si en arrosant, je vais réussir à les récupérer. Oh mon Dieu. Ou alors c'est à cause de la saison qui a changé, regardez l'herbe. On n'a plus d'herbe. Regardez, on n'a plus d'herbe. C'est ça le problème. Non! Ils sont sérieux, on a tout perdu? On va aller voir Clean, voir si on va récupérer notre hache. Mais... Ah oui, regardez, partout ça a changé. On a changé de saison. Oh la mouise! Ça a rien à voir avec le fait que j'ai arrosé, c'est le changement de saison, donc ça a tué toutes nos plantations. Oh mon Dieu! Ah, j'ai pas ça, désolé mec. Non! Il n'y a pas moyen d'acheter quelque part la terre, là, l'espèce de terre. Ah, il est 8h du matin. Écoutez, on va descendre, regardez, c'est quelque chose sur la plage. Oh, je suis dégoûtée, les gens! On avait plein de trucs, je pensais qu'on allait grave se faire de l'oseille. Oh, je suis déception, mais tellement. C'est l'été en fait. Regardez. Il y a des trucs sur la plage. C'est l'été, je pense. Oh, je suis déçue. Oh mon Dieu. Oh la vache. Je sais pas comment obtenir de la clé, comment je vais faire par rapport à mon champ. Ouais. Même dans les buissons, c'est plus comme avant, regardez. On n'a plus les mêmes fleurs nulle part. Ah ouais, on est à l'été. Oh là là. Ah, il y a un... Ça a même changé ici. Mais... Yes! On a récupéré une hache. Alors du coup, par contre, par rapport aux saisons, j'en ai aucune idée, les amis. Je sais pas comment ça se passe. Donc ça me paraît un peu chaud là. Parce que là, actuellement, il nous manque toujours de la clé pour le truc. J'ai tout le reste, sauf la clé. Donc la clé, je ne sais pas trop comment je peux l'avoir. À part comme ça en labourant, donc ça me paraît compliqué. Pierre, ça doit être ouvert maintenant. On va aller voir si on peut pas acheter à Pierre de la clé. Parce que clairement, là, j'ai pas envie de perdre encore mon temps. Ouais, j'ai pas envie de perdre mon temps, clairement. Donc voilà, hello. Alors, est-ce qu'il a ça ou pas? Non. Et clairement, oui, on est à l'été. Pousse en 11 jours, pousse en 12 jours, en 13 jours, en 5 jours le piment, et les graines de blé en 4 jours. Radis en 6 jours, 7 jours. Ok, donc celui qui met le moins de temps à pousser, c'est le blé. Oh, punaise! Du coup, tous mes champs sont foutus. On se prend tout ça. C'est parti. Bonne journée, tout le monde. Au revoir.
Donc j'ai pas assez de clés. Mais du coup, il faut qu'on refasse carrément des champs. Des autres champs. Et en gros, il faut qu'on fasse gaffe maintenant aux saisons. Waouh, trop de choses dans ce jeu, les amis. Oh, il y a quelqu'un là-haut. C'est qui? Tu joues à cache-cache? Coucou! T'es où? T'es où, bonhomme? Et on a entendu du bruit, je suis pas taré. Il n'y a plus personne. Oh, je suis tellement déçue. Bon, bah écoutez, hein, c'est la vie. Hein. Allez. Je sais pas du coup si mes champs vont partir tout seuls ou pas. Ou s'il va falloir que je les enlève. Oh là là. Ah, la galérienne. C'est marrant de voir que peu importe le jeu, je serai toujours une galérienne. C'est assez drôle. Du coup. Allez. Oh, punaise. Bon, vous voyez? On attend de rien faire. Ça m'énerve. Une clé. Waouh, on en a 4 sur 10. On va aller loin. Ah, elle est fatiguée. Bon, écoutez, on peut rien faire de plus de toute manière. Je crois qu'il va falloir que je déblaye tout, du coup, que je retire tout et tout. Oh là là, mon dieu. Je ne m'attendais pas à devoir galérer autant sur le jeu, je vous avoue. Mais là, clairement, ouais, la clé va manquer à l'appel. Alors, on va devoir déjà aller dormir. On va planter quelques blés. Je pense qu'on n'aura pas l'occasion de tout planter. Vu l'état actuel de notre barre d'énergie, on va déjà arroser tout ce qu'on a posé, histoire d'être sûr que ça, au moins, ça soit poussé. Et après, il va falloir nettoyer tous les champs, je pense. Oh là là, mais les amis, vous vous rendez compte, la panade? Oh, le changement de saison, comment il m'a foutu en l'air. Ma progression, waouh. On dirait qu'il y a un truc qui arrive sur notre tête, là, non? Dans le ciel. Est-ce que je peux voir le ciel ou pas? Non. C'est un nuage? Qu'est-ce qui se passe? Les gens, qu'est-ce qui se passe? Les gens, vous avez vu le truc sur le l'ombre sur le sol? C'est un nuage et tout. Je suis en mode panique à bord là, dans mon cerveau. Je vous le dis tout de suite. Ah, écoutez, je vais laisser la zone que j'ai fait là, il me reste des graines, ça sera pour une prochaine fois. Parce que clairement, j'ai pas envie de gaspiller toute mon énergie, parce que j'aimerais bien qu'elle se restaure un peu. Et il va falloir que j'enlève tout, je pense. Oh là là. Vous vous rendez compte de l'argent qu'on a perdu? Je crois qu'il va falloir que je fasse ça, hein. Que je déblaye tout. Oh là là. Attends, on est déjà fatigué, mais... mais est-ce que un jour on va récupérer notre énergie? Je me pose la question, hein. Oh, il est 9h10 du matin, j'ai rien fait de ce que je voulais faire et j'ai déjà plus d'énergie, quoi. Oh, mais mon dieu, ce jeu! Il veut me tuer, le jeu, les gens! Bon, allez, c'est parti, on va faire un dodo, on va essayer de nettoyer encore le terrain. Wow! Je vous laisse ma période de galère, vous avez vu. Je suis gentille, hein. Mais si, 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 on va dormir, mais hello, qu'est-ce que t'as fait? Mais bon sang, mais les gens. Oh, je m'en veux des fois. Alors, est-ce qu'on va réussir à récupérer toute notre énergie ou pas cette fois? C'est moi ou dehors? Il y a eu un bruit bizarre, là. Non, dans le jeu. Bon, 242 gold, écoutez, c'est toujours ça de prix, j'ai envie de vous dire, mais jour d'été 3. Ouais, donc c'est bien ça, on est passé à l'été, et du coup, c'est ça qui m'a tout flingué. Il y a eu un séisme durant la nuit. Non! Ah, ça va, j'ai pas perdu ce que j'avais.
Bon, j'arrose tout ça, je reprends après. Alors, les amis, on se retrouve. Donc, j'ai plus d'énergie, j'ai nettoyé toute cette zone. J'ai arrosé mon champ, donc on est plutôt bien. Donc, il va encore nous falloir une journée pour déblayer notre terrain et à remettre la ferme un peu propre, on va dire. Il reste encore les terrains qui sont un peu... Oui, mais non. Les gens, je cliquais sur la porte pour qu'elle aille se coucher et elle est pas rentrée. Oh, mais c'est pas vrai. On a perdu plein de sous. C'est embarrassant, mais j'ai perdu mon caleçon violet, porte-bonheur. Je te fais cette confidence, car je crois pouvoir te faire confiance. Si tu le retrouves, merci de me le rapporter discrètement. Je payerai bien, merci Lewis. Non, ils sont sérieux. Ah, mais... Quelqu'un t'a déposé à la clinique la nuit dernière. La fatigue t'a fait perdre conscience. Prends mieux soin de toi et couche-toi de bonne heure. Je t'ai facturé 147 pour couvrir les frais médicaux. Ok. Donc voilà, on est tombé mal, les amis, visiblement. Bon. Ma foi, il faut que j'arrose tout ça. Oh, écoutez, on va arroser déjà tout ça. Pour être sûr que notre blé pousse et avoir de la rentabilité. Malheureusement, j'ai un petit peu du coup zappé l'histoire de la clé et du silo. On n'a pas eu trop le choix, j'ai envie de vous dire. Le changement de saison nous a totalement mis la misère. On va pas se mentir que c'est très compliqué. Bon. Hop, vous voyez. Et j'adore la petite musique, elle a changé et tout, c'est classe. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'au moins le terrain où ça a été bêché, bah voilà, il se détruisent tout seul. Donc il y a juste à détruire les plantations qu'il y a dessus, quoi. Oh là là, mais mon dieu. La difficulté qui est rajoutée au jeu, du coup, grâce aux saisons, c'est fou, quoi. Je m'attendais pas à ça. Pas du tout. Sinon, jamais j'aurais fait tout ce que j'ai fait, quoi. J'ai envie de vous dire. Bon, voilà, tout est arrosé, donc j'ai plus qu'à déblayer tout ça. Je déblaye tout ça et je vous reprends après, mes petits copains. Les amis, on se retrouve. Donc, du coup, j'ai plus d'énergie à nouveau. Donc, la bonne blague, la bonne nouvelle. Non, je rigole, c'est devenu une habitude. Donc, j'ai vraiment envie de finir dans cet épisode de nettoyer la ferme, histoire qu'au prochain épisode, on soit à nouveau bien dans la ferme et que tout se passe bien. Non, mais Hello, t'as quand même fait la même bourde. Allez, on fait dodo. Oh là là, je sais pas combien de journées se seront passées dans cet épisode, mais mon dieu, la galère, les amis, pour nettoyer tout ça. Oh là là. Ah, il pleut! Non, mais c'est une fichue blague. J'attends ça depuis des jours dans le jeu. IRL, non, c'est pas des jours que j'attends la pluie. Il y a plu hier. Mais là, franchement, mouise, hein, total. Bon, on va pas tester enfin notre âge, quoi. Est-ce qu'on va pas casser ça? Yes! C'est bien ça, on a du bois massif en cassant ça, les amis. Yes! On va avoir de quoi faire la quête. Allez, on va casser celui-là, le chêne. Oh là là, on va enfin pouvoir reprendre notre activité classique dans le jeu, j'ai envie de vous dire, maintenant qu'on a réussi à nettoyer les bourdes de la saison. Mais franchement, je suis déception, mais vraiment, je m'attendais pas à une difficulté pareille. Hop, allez, casse-moi tout ça, copine. Oh là là. Alors, est-ce qu'on peut casser celui-là aussi? Votre âge n'est pas assez solide. Ok, ça marche, donc pas encore celui-là. Donc, du coup, la quête, il nous fallait bois massif, du bois normal, des cailloux. Ah, il nous faut 10 bois massifs. Ah, bon, on peut bientôt les avoir en vrai. Hein. Pas dans cet épisode, mais dans le prochain épisode, on pourra peut-être faire la quête qu'on avait vue. Ouais, 2 bois massifs encore. On va peut-être profiter pour bêcher un peu le terrain. Il pleut. On va peut-être planter nos derniers trucs de blé qu'on a sur nous. J'aurai pas le temps, je pense. Elle est déjà fatiguée. Ouais, c'est ça. Ça lui coûte rien de mettre les graines. Hop. Allez, on met tout ça. On profite qu'il pleut pour faire ça. Bah clairement là on peut rien faire de plus. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Le bois, donc le bois comme je vous disais, j'ai tout ce qu'il me faut. Là où on est en PLS, c'est vraiment au niveau du bois massif, où là il nous en faut plus. Car en gros il nous en faudrait 10. 99 de bois x 2, on a ce qu'il faut. Donc c'est pas un problème.
Ouais, donc je pense que le prochain épisode, il y a moyen de faire deux quêtes. Normalement. Bon, bah voilà. Là, pour cet épisode, je pense que voilà, c'est fini. On a réparé le problème qui est lié au fait qu'on ait changé de saison. Avec du mal, hein, on va pas se mentir, mais au moins c'est fait et on va pouvoir repartir sur de bonnes bases pour le prochain épisode. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner? Normalement, on n'a rien mis en vente. Ouais, c'est bien ça. Donc, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode, les amis. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!